Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve une nouvelle fois pour un petit format rapide sur un film que j'ai vu cette semaine et dont j'avais très envie de vous parler. Le but de ces formats rapides, ce sont des formats beaucoup moins travaillés que les très grosses vidéos qui du coup me prennent beaucoup moins de temps, que je peux vous sortir plus vite. Et donc ça mène à pouvoir vous parler de plus de films et ça c'est super positif. Puis ça me permet aussi dans les semaines comme celle-ci où j'ai été un petit peu malade et où j'ai pas eu beaucoup de temps pour moi, voire quasiment pas de temps pour moi puisque je dors 15 heures par jour et que je vais au travail le reste du temps, de quand même pouvoir vous parler de films qui m'ont marqué, que j'ai envie de partager avec vous. Et c'est le cas du film d'aujourd'hui, donc ne bougez pas, n'oubliez pas le petit like et le petit commentaire, servez-vous un grand café ou un verre d'eau pour cette toute petite vidéo et on se retrouve juste après le générique. Alors aujourd'hui, on parle une nouvelle fois d'un film québécois. On en a parlé récemment avec le film Les Chambres Rouges que j'avais franchement beaucoup aimé et qui m'avait poussé à m'intéresser au cinéma québécois. Vous m'aviez d'ailleurs envoyé certaines références, pas très faciles à trouver sur les plateformes de streaming, mais j'ai rajouté du coup à ma liste pas mal de films venus de nos amis québécois parce que je trouve que leur cinéma est très intéressant. Et justement, la semaine dernière est sorti au cinéma un film, une comédie horrifique, donc vous savez comment j'adore l'horreur, sur le thème du vampire qui nous vient tout droit du Québec. C'est le film Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Alors déjà, le titre en dit long, on va donc se retrouver projeté dans un univers vampirique où les vampires existent donc, et où on va se retrouver à suivre une jeune héroïne qui est une vampire qui ne souhaite pas faire du mal aux autres, et ça l'empêche carrément de se nourrir. Elle est complètement rebutée par le fait de faire du mal aux autres, et du coup le seul moyen qu'elle va avoir de trouver pour se nourrir à partir du moment où ses parents vampires vont lui couper les fonds de la réserve familiale de sang, c'est de trouver des personnes consentantes à souffrir et voire à mourir pour elle. Ça va être donc tout le sujet de ce film qui dure 1h30, donc il est assez court, et pour moi franchement, vous le savez, je vous en parle souvent sur la chaîne, pour moi 1h30 c'est la durée parfaite pour un film horrifique, mais qui ici va plutôt surfer, plus qu'avec les tendances horrifiques, à part le thème du vampire et le fait qu'il y ait un peu de sang passé par là, avec la comédie, voire même la comédie romantique. Le film est sorti le 20 mars 2024 et j'avais trop hâte d'aller le découvrir. Alors, il n'est pas archi bien distribué, je suis pas certaine que vous pourrez tous le voir chez vous, mais franchement, je peux vous dès à présent vous dire que je vous le recommande parce que j'ai passé un moment juste adorable, juste extrêmement touchant et très drôle. Il y a quelque chose de presque mélancolique, de presque romantique au sens du romantisme un peu noir, vous voyez, qui, je trouve, m'a personnellement vraiment séduite. Et c'est des propositions originales comme ça qu'on veut sur le cinéma vampirique. Cinéma vampirique, j'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne, c'est un cinéma qui a beaucoup de succès, il y a beaucoup de films qui sortent sur le thème des vampires, beaucoup sont ratés parce que ils se servent du cliché mais en rentrant dedans avec des gros sabots et sans apporter une fraîcheur ou une nouveauté autour du thème du vampire. Et je trouve vraiment que ce film-là, c'est ce qu'il arrive à faire. On nous sent suivre cette jeune vampire Sacha dont les dents ne sont pas encore sorties, et on suit toute l'inquiétude des parents en mode pourquoi elle se développe pas assez vite, pourquoi elle n'est pas devenue mature alors qu'elle est adulte, elle a 18 ans, etc. Et on va voir un petit peu son évolution et sa prise de conscience par rapport à sa condition de vampire et la façon dont elle essaye de muer ça avec son espèce d'humanisme, le fait qu'elle ressente trop de sentiments humain par rapport à sa famille vampirique. Et d'ailleurs, tous les membres de la famille sont très drôles. Le père est particulièrement touchant, mais que ce soit sa cousine ou son espèce de grand-mère absolument flippante, ils sont tous très très cool. La scène d'ouverture du film est très très cool avec le clown, là, je l'ai trouvé franchement... C'est bien écrit, en fait. C'est juste très très bien écrit. La photographie, la façon dont c'est filmé, c'est aussi assez beau, assez élégant. Il y a beaucoup de scènes de nuit qui ne sont pas sombres, on arrive à les lire, mais on a quand même de beaux noirs de cinéma. Le travail qui a été fait sur les costumes de notre jeune vampire Sacha et de tous les autres personnages, c'est assez succulent parce qu'on retrouve un petit peu le cliché du vampire qui est un petit peu exubérant ou qui va avoir des codes vestimentaires des siècles précédents, mais parce que ça fait 100 ans qu'il est là, voire même plus pour certains. Donc on retrouve ça, mais c'est vraiment totalement, ça rentre totalement dans le décor. C'est très très bien accommodé avec l'environnement qu'ils ont créé pour leur film qui est la petite ville québécoise du coin. Tout ce travail de photographie assez accessible, hein, on n'est pas sur un truc assez original, de costumes pareil qui surfent un petit peu avec l'originalité juste pour être dans le thème du vampire, mais qui arrive quand même à rendre tout ça crédible, ça nous fait un film auquel on arrive à s'attacher et des personnages auxquels on arrive à s'identifier parce qu'ils sont
crédible. Crédible pour des vampires, mais crédible quand même. Le tout avec ce petit côté pince sans rire au niveau de l'humour que moi j'ai apprécié. La musique qui est également assez sympathique sans être notable. On a des musiques plutôt vintage puisqu'on va suivre plutôt les goûts de Sacha, donc notre jeune vampire qui est quand même dans les 80 piges. Hein. Les vampires grandissent plus longtemps que nous, apparemment. En tout cas, elle a quand même des goûts, on va dire, musicaux du siècle dernier. Et puis on va aussi avoir tous les passages de musique parce que c'est une musicienne, ce qui colle bien d'ailleurs avec son personnage, je trouve, et qui permet de donner plus d'accroche par rapport à ce personnage principal qui est quand même très réservé dès le début du film. Ça, ça marche super bien. Le seul truc qui pourrait vous perturber en fait dans ce film, parce que sinon tout match à merveille, c'est qu'il est en version québécoise. En tout cas, moi je l'ai vu dans sa version originale, c'est-à-dire en français québécois. Alors, le français québécois ne me pose aucun problème. J'écoute des reportages ou des trucs venus du Québec, donc j'y suis habituée. Ce qui m'a particulièrement gênée, c'est pas la version sonore, c'est le fait qu'ils ont mis des sous-titres tout le long du film, qui répètent à peu près la même chose que ce que les Québécois disent dans un français qu'on peut comprendre, excusez-moi, par quelques expressions, et tu les comprends dans le sens global du texte, tu comprends totalement ce qu'ils disent, sauf que du coup tu as des sous-titres qui ont le même sens global mais qui ne sont pas traduits de la même façon et qui t'arrachent la rétine pendant tout le film, et c'est franchement très désagréable. Ils auraient pas dû le sous-titrer, ou alors ils auraient dû proposer des séances avec sous-titres et des séances sans sous-titres. Moi, je serais clairement allée en séance sans sous-titres parce que ben, les Québécois parlent français, les gars, vraiment. Hein. Mais à part ça, ben, j'ai franchement passé un super bon moment. C'était doux, c'était un petit amour adolescent, c'était un peu un film ado, mais avec quand même une maturité dans la conception de l'image, avec une maturité dans la pensée de l'humour, avec une maturité dans la pensée des personnages, qui fait que c'est un film qui est accessible à tous, qui est plein de bonnes ondes, même si on est clairement sur une ambiance assez sombre et assez noire. On parle de suicide quand même, hein. Voilà. Mais je trouve qu'il y a quand même toute une espèce de petit bonbon, une petite douceur, un petit bonbon un peu noir. Et moi, qui aime ce cinéma noir, qui aime l'humour noir, et qui aime l'humour un petit peu des fois pince sans rire ou un petit peu cynique, ben j'ai passé 1h30 excellente en salle. Du coup, si jamais vous reconnaissez dans ce que je viens d'écrire, ben je vous recommande ce film Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, parce que j'ai passé un super moment. C'est un film qui est original, c'est un film qui est doux, c'est un film qui est sympa. Ce sera pas le blockbuster de l'année, ce sera pas un film qui va se démarquer artistiquement ou visuellement, mais c'est un film qui te fait passer un bon moment au cinéma, et ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette rapide vidéo sur Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. J'espère que ça vous convaincra d'aller voir le film, parce que j'aimerais vraiment que le film soit plus mis en avant. J'ai pas trouvé particulièrement qu'il y avait beaucoup de communication ou qu'il était vraiment valorisé dans les sorties du moment, alors que franchement il vaut le détour, il vaut la petite heure 30 en salle qu'il nous propose de passer. Donc j'espère que vous lui laisserez sa chance. Après, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'hésitez pas à mettre un petit like juste en dessous, surtout à me mettre en commentaire pour me dire si vous avez vu le film, si ça vous a donné envie de le voir, ce que je vous en ai dit, si vous étiez au courant qu'il était sorti ou pas, parce que je suis pas sûre que le film ait fait vraiment beaucoup parler de lui. Enfin, vraiment, moi j'ai découvert en farfouillant sur les sorties du mois, mais il est pas mis en avant sur les plateformes des cinémas, etc. Et comme je vous dis, il est pas forcément diffusé partout, donc ce serait dommage de passer à côté, honnêtement. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bah, c'est juste en dessous, c'est gratuit, ça vous permettra de voir les futures vidéos. Et voilà, je ne vous embête pas plus avec cette mini vidéo, je vous laisse là. Je vous souhaite évidemment une très bonne journée, une très bonne semaine, de très très bons visionnages. Peut-être du coup Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Le titre est très long à dire, hein, mais le film est sympathique. En attendant, eh bien, prenez soin de vous. Je vais essayer d'en faire de même et de me remettre un peu de ma maladie pour vous sortir de grosses vidéos d'ici la semaine prochaine. Et en attendant, bah, je vous dis comme toujours... Et c'est le cas du film d'aujourd'hui, Vampire humaniste. Voilà pour cette petite vidéo. Oh mon chouchounou, oh, regardez. C'est le chouchounou. Il est là. Je sais pas si vous le voyez. Je sais pas ce qu'il fait d'ailleurs. Il fait des conneries. Et oui, il a une chaise devant la fenêtre juste pour lui avec un carton dessus. Évidemment, évidemment. Je vous montre. Je vous montre parce qu'il faut que vous voyez à quel point c'est... Voilà. Ah oh, oui, t'es content de toi, hein. Oui, t'es contente, toi. Donc voilà, moi je vais retourner travailler parce que comme j'ai été malade, j'ai vraiment rien fait de ma semaine. Genre j'ai dormi, vraiment j'ai dormi mais 15 à 16 heures par jour. J'allais au travail parce que du coup j'ai été arrêtée 15 jours et puis les autres jours je suis retournée au boulot. Le médecin l'a décidé donc c'est comme ça. Mais du coup je me levais, j'allais au boulot, je rentrais, je dormais. De toute façon, je peux pas manger, parce que si vous n'avez pas suivi mes actualités sur Instagram, j'ai la gorge hyper gonflée. Donc là, c'est en train de passer au niveau du visage, j'ai quasiment plus de stigmates. Enfin, je les ai recouverts avec du fond de teint, parce que c'est en train
c'est plus à vif quoi, mais j'ai la gorge hyper gonflée. En fait, je peux pas avaler solide, donc voilà, je bois du Yop. Et les soupes. Voilà, c'est tout. Donc, je suis un peu faiblarde et du coup, je ne fais que dormir. Mais je suis contente d'avoir quand même trouvé un petit peu de temps pour filmer cet avis. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette page générique.